Coucou, je suis dans la salle de danse pour une fois. J'arrive à l'avance. Oui, je me suis. Tu sais, si tu me connais un peu, quel est mon plus grand défaut? Vas-y, raconte. C'est que je suis toujours en retard. Et ça, et la semaine dernière, ça avait des proportions incroyables. Moi, quand je suis en retard, je m'en veux à moi-même. Mais la semaine dernière, c'était vraiment catastrophique. Je suis arrivée en retard, mais 20 minutes à ce cours-ci, où on travaille sur l'énergie du féminin sacré, ça ne fait pas de sens. Donc aujourd'hui, je suis méga à l'avance et j'ai décidé que dorénavant, quand je me lève, je vais dire, la vie, elle est abondante, ma journée est abondante, j'ai tout le temps qu'il me faut. Donc je suis arrivée à l'avance et je veux donc, j'ai le temps de faire une petite vidéo. Je veux te faire écouter une musique sur laquelle on va travailler aujourd'hui, qui est magnifique. Est-ce que tu l'entends? Attends, on va mettre plus fort, hein. Ah, c'est une musique d'une histoire d'amour, une musique de danse orientale, mais on va travailler là-dessus puisqu'on va travailler sur la sensualité, la tendresse, la féminité. Et donc voilà, je voulais te montrer aussi ce que je fais pour préparer la salle. Tu connais peut-être les papiers arméniens? Ça ici, c'est mon préféré. Tu connais? Il y a un autre qui est plus connu. Je ne sais pas si ça va trop fort en fait la musique. Ça, c'est celui-ci. Mais j'ai celui-là. Tu le connais? Oh, j'adore. Et donc, je fais ça pour mettre une ambiance. Je fais un nettoyage de la pièce. Attends, tu veux voir? Mais tu connais ma salle de danse, je pense, hein. Voilà, ma salle de danse. C'est la salle de danse. C'est une salle d'aïkido. C'est chouette. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a un petit jardin avec un petit peu de verdure. Et c'est en plein centre de Bruxelles, donc c'est magnifique. Elle est assez grande, elle est super lumineuse. En été, on peut ouvrir les fenêtres, on se trouve à l'extérieur. Enfin, on n'est pas sur la rue de la Loi ou des choses comme ça, tu vois. Et alors, ce que je fais aussi, parce qu'il y a des gens qui me le demandent, je bois ça. Ça, c'est une boisson énergétisante, mais. Voilà, bio, et ça te donne un boost. Donc, je bois pas, j'ai pas bu le café avant de venir parce que j'avais peut-être 1 heure de route et j'avais peur de devoir faire pipi à l'heure en voiture, hein. Et donc, je bois ça pendant mon cours, ça me donne plein d'énergie. C'est les sportifs. Coucou, je vois que quelqu'un me regarde. C'est les sportifs qui prennent ça normalement. Mais moi, j'ai remarqué que c'est vraiment là-dedans, tu as la coffine, tu as, je pense, un peu de guarana, plein d'autres choses, mais tu as la taurine. Et j'ai lu sur la taurine, ça contrebalance l'effet négatif de ce qui se passe quand tu prends des stimulants. Et c'est aussi, quand tu, par exemple, les gens qui ont des migraines, c'est ça que je voudrais raconter ici. Les gens qui ont des migraines, eh ben, comme ma mari, par exemple, il fait des migraines. Quand il sent que ça arrive, il prend ça. Et alors, il n'y a plus de migraines. Donc, si tu veux savoir ce que c'est, tu me poses la question, je te donnerai le lien. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, alors mon cours va bientôt commencer. Ah, je suis à l'avance. Il n'y a encore personne. Je crois que je dois leur dire que je suis là parce qu'ils sont habitués, malheureusement, à ce que j'arrive en retard. Et ah, tu as vu? Attends, je te montre. J'adore mon outfit, on appelle ça. Regarde. Bon, voilà, je suis habillée. Je suis habillée en oriental. Hein. Mais pour le. Ah oui, je voulais te montrer mon foulard aussi. Et si on va travailler avec les. Attends, je vais le faire avec les miroirs. On va travailler avec les voiles, avec les tissus. Ça, c'est mon préféré. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas le filmer en même temps que je fais quelque chose de sensé. Mais on va travailler sur la fluidité, sur la tendresse. Et on va travailler avec des voiles. À part le fait que c'est super amusant, c'est aussi très, très beau de travailler comme ça avec les femmes. Et voilà, première personne qui arrive. Gros bisous et bonne journée.